en tête Podkopayeva et au parallèle un garçon que l'on aime bien parce que chaque fois qu'on le rencontre, il est souriant et très avenant, Roustam Sharipov. Pour l'Ukraine. Un artiste qui aime bien faire du spectacle en démonstration et s'amuser avec le public. J'aime beaucoup. Mais ici ça compte, ce n'est pas pareil. Sharipov, champion d'Europe en titre, deuxième au championnat du monde 94. Diamidov, grand tour complet autour du bras. Eli, salto avant enchaîné. Deuxième Eli. Ah. Et double avant, beaucoup de rythme. Enchaînement sans interruption, tous les éléments sont au temps. Demi-tour à l'équilibre. Et double carpé. Alors, ce qui est intéressant maintenant à suivre dans cette finale, c'est que, au parallèle, il y a un juge russe, un juge roumain, un américain, un allemand, un juge de Taipei. Voici le Moy exercice qui porte le nom d'un Français, Willy Moy, en équipe de France entre 76 et 80. Et qui avait inventé cet exercice. Eh oui, il est à Forbach. On le salue bien. Et deux Français ont donné leur nom à, justement, un mouvement, le DEF à la barre fixe. Oui, on le reverra sûrement tout à l'heure lors des finales. Et le Moy aux barres parallèles. Voilà, travail en suspension. Avec établissement au-dessus de la barre. D'ailleurs, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas un Boutard et un Boerio. Eh oui, mais hein, il est trop tard maintenant. Ben oui. Attention, juste après cette note de Roustam Sharipov qui nous intéresse, mais qui est troisième derrière le Chinois Wang et le Japonais Tanaka.